Moi, je connais le Métro Express, c'est un projet national. C'est qui est en opération depuis un an. Aujourd'hui, c'est le jour qui en fait nous commence l'opération depuis un an. Pendant ça, un an là, nous avons progressé l'opération positivement. Là, aujourd'hui, nous focus le advertising, le marketing, etc. Donc aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a un train, on a several trains, il y a 2-3 trains qui font rapping, une décorée. Ça, c'est Côte. Après, nous sommes dans Casella et aussi nous sommes dans Extase. Donc, nous travaillons avec cette organisation-là, à travers Alliance Media. Il y a M. Prosper qui est là, et nous avons aussi le CEO de Côte. Et que nous allons travailler avec cette organisation-là. C'est aussi nous encourage une activité économique et design support un opérateur économique pour nous travailler ensemble, faire collaboration, etc. Donc Alliance Media, c'est nous advertising partner. Alliance Media, c'est une compagnie internationale qui est partenaire avec nous, qui est nous dans les efforts là. Dans nous gagnons une grande organisation là, on nous contient dans le même effort là pour capable de faire calé. Un an opération Métro Express, 22 décembre, opération d'art symbolique. Le NHP au niveau transport des passagers, comment ça avait passé? Combien de passagers finalement jusqu'à présent? Bon, comme je connais, nous tenons la visite du Premier ministre qui nous fait célébrer tout ça. Et là, nous vendre plus de 100 000 micros. Nous pouvons atteindre 3 millions de passagers total depuis que nous commençons le 22 décembre 2019. Et aussi, nous avons gagné 20 passagers qui peut augmenter bien les mêmes. Et récemment, là, nous avons gagné environ 14 000 passagers par jour. Les tentinants COVID, bien sûr, ici, diminuent un peu. Donc, je fais commencer à 17 000 passagers. Donc, nous pouvons progresser, nous pouvons aller. Et pour nous, c'est un vrai encouragement. Et là, Casella, ce wrapping qu'il a. Donc, quand je trouvais, il y a une multitude d'opérateurs économiques avec qui nous travaillons. Donc, ça, il vous aide le métro, mais aussi il vous aide un opérateur économique capable de générer des revenus, etc. Sinon, au niveau de travaux, phase 2, comment ça va passer? Quand est-ce qu'il y a 4 bornes, vous parlez? 4 bornes, donc, nous sommes capables de prendre train depuis 4 bornes pour venir pour lui. À partir d'avril, le target avril 2021. C'est-à-dire que je travaille depuis 4 mois pour une pause dans moins de 25 minutes. À ce jour, combien de pourcents de travaux vous complétez à 4 mois? À 4 mois, environ 80%. 80%. Plus de 80%. C'est bien. Ça, rapide advertising, combien de guides vous complétez? C'est-à-dire que 5 ans, 20, tous les mois, 3 mois, il faut continuer. Là, nous commençons avec ça 3 sponsors, 3 sponsors, non? 3 ou 4 sponsors? Peut-être nous avons Prosper qui a encore joué là. He's asking about the progress of the advertising and the wrapping, etc. The wrapping of Metro Train started well in December, and we managed to get a number of big clients who are signing long-term contracts, such as Casella, Coats, Extras, also got Colonial Waterfront and Phoenix. We are having a number of big clients who are still negotiating with for metro advertising in terms of train rep, in terms of the light boxes around, digital platform which are going to introduce to raise more revenue from non-ticket side to from the advertising side. That's what we've been mandated to do, and we are gaining momentum slowly as the time progresses. C'est-à-dire comment vous pouvez expliquer? C'est-à-dire que vous tout un médium, c'est-à-dire électronique, aussi électrifié, le train, à l'intérieur du train, inside the train, et le plateforme partout. Par exemple, vous trouvez un panneau publicitaire partout, une station, et donc vous pouvez explorer toutes les possibilités. C'est une nouvelle stratégie, ça, ou bien c'était déjà IAMORC dans le projet? Bien sûr, c'était déjà IAMORC, le advertising campaign, c'est déjà IAMORC, c'est ça qu'on appelle le non-fair revenue.
Donc c'est ça, font partie du projet. C'est tout le temps qu'une frontière qui le projet Metro Express, pas seulement les passagers, mais aussi nous guetter quoi nous capables d'un ban non faire revenu, ça veut dire pas des ban moyens et méthodes qui pas nécessairement passagers. Donc il y a une première réaction pour les voyageurs, vous êtes content, vous êtes très loin, ils changent un peu de figure, le tramline change un peu de figure. Capable, ça va faire un effet parce que depuis le mètre wrapping, nous avons 14 000 passagers. Avant ça, nous avons environ 10 000. Ça veut dire que nous devons faire le calcul. Moi, je dis à cause de ça. Peut-être à cause de Noël, peut-être à cause de tout le monde plus content dans le congé. Après, l'économie, enfin, ce qui m'a essayé, c'est que le métro, il y a un projet qui, c'est pas juste un projet de transport, c'est un projet de sustainable development, ça veut dire que nous avons de l'économie, c'est un engine for economic growth, et un premier projet, donc nous avons une post-Covid, peut-être un challenge économique, nous avons une entrée self-healing each other in terms of other businesses and the metro.